Bonjour messieurs, merci d'être venus pour les funérailles de Sébastien. Donc voilà, je ne suis pas très doué pour rendre les hommages et faire un discours, mais je vais essayer de faire mon mieux. Donc je tenais à dire comme quoi c'était un brave pilote qui était toujours au combat, toujours présent lors des missions, qui prenait toujours de grands risques et malheureusement il est mort sur la mission précédente. À cause d'un tir de roquette, on le sait tous. Donc voilà, je voulais lui rendre un hommage à sa mémoire. Donc on va faire quelques petites minutes de silence, voire quelques secondes. Messieurs les tireurs, vous pouvez y aller. Présentez. Ah. Bonjour. Merci monsieur les tireurs, donc voilà tout pour Sébastien, en honneur de sa mémoire. Donc voilà messieurs, vous pouvez disposer, merci bien. On se revoit au quartier. Sergent Killian et sergent Snipe, je voudrais vous parler s'il vous plaît. De notre prochaine mission, si vous pouvez me suivre. Donc voilà, pour la prochaine mission, on a obtenu les infos des Russes. Apparemment, on devrait aller exécuter un prénommé, un certain prince, excusez-moi de cette hésitation parce que je ne me souviens pas de son nom, mais c'est un prince qui se trouve sur le palais. C'est vraiment déjà le nom du palais, quelqu'un s'en souvient, ça se souvient parce qu'avec le russe, là je comprends pas. Palais d'Asie, ah, palais d'Asie, ouais, d'Asie, d'accord, d'Asie, ok. Et d'après les informations que j'ai reçues, on en aurait pour 17 millions en prime de cette mission. J'espère que vous acceptez cette mission avec grand plaisir. Avec plaisir. Donc par contre, ça va être une mission de haut risque comme d'habitude. On risque d'y rester. Les risques sont bien réels. Donc je compte sur vous pour être au top lors de cette mission. Excusez-moi, je veux juste transférer un message, transmettre un message au pilote. Blood appelle au pilote, est-ce que vous pouvez vous éloigner du bateau s'il vous plaît, on n'arrive plus à s'entendre avec les réacteurs. Merci. Excusez-moi monsieur. On n'arrivait pas à s'entendre avec les réacteurs des avions. Donc voilà, par contre, avant le début de cette mission, j'ai deux petites récompenses pour vous. Enfin, des récompenses, c'est des promotions. Sergent Killian, vous passez caporal. Et sergent. Yeah. Et sergent Snipe, ou à moins que je me répète, sergent Snipe, vous passez colonel. Merci. Je partirai, par contre, je voulais vous dire, je partirai tout seul faire une reconnaissance de terrain pour voir comment se présente la mission. Et, une fois que je suis retour à la base, on met le plan en place. Et une fois que le plan a été mis en place, on y va tous ensemble et on exécute ce prince en espérant que la mission soit correcte parce que les informations n'ont pas été encore. Ce sont pas des informations de source sûre. Donc il faudra être très attentif lors de la mission quoi. On va faire gaffe à ce qu'on fait. Des questions messieurs? Non, pas trop. Je vais trouver une nouvelle arme. Je sais pas, je vais trouver une arbalète pour la mission. Alors, vous voulez me présenter une arbalète? Ben moi qui suis vieux, ben je me demande qu'est-ce que ça peut bien être une arbalète. Bon, j'ai déjà vu une arbalète, mais je me demande qu'est-ce que ça peut bien être. Ah, vous l'avez pas sur vous, ah d'accord. Ah, vous l'avez trouvé, d'accord, j'aime comprendre. Vous l'avez trouvé tout ça, mais vous l'avez pas sur vous. D'accord, y'a pas de problème.
Mais honnêtement, je préfère la bonne vieille époque avec les armes à silencieux, mais je veux bien essayer cette nouvelle arme que vous avez trouvée, l'arbalète et tout ça, il n'y a pas de problème. Oui, les sons ont évolué. Ah, ah voilà. D'accord. D'accord. Merci bien, soldat. Vous pouvez disposer. Merci. Donc, la mission débutera à 14h00. Donc, on se rejoint comme d'habitude au point de déploiement. C'est bon, vous pouvez disposer. Ici le commandant Blood, je suis rentré dans le palais. Je commence la reconnaissance de terrain. J'ai un visuel sur ma cible, je vois le prince. Je vais essayer de me rapprocher pour l'identifier. Oula, on a une petite erreur. La cible n'est pas celle qu'on pensait. C'est un prince qu'on doit justement sauver et non exécuter. Donc les informations que le russe nous a transmises étaient fausses. Je continue mon inspection. Deux gardes autour de lui. Voire deux, trois gardes autour de lui. Est-ce que vous me recevez? Caporal Kylian, est-ce que vous me recevez? Les transmissions sont HS. Je repars du palais. Caporal Kylian, est-ce que vous me recevez? Terminé. Oui, c'est un tour. D'accord, je viens de faire ma reconnaissance. Donc, comme je disais, apparemment les radios ne passaient mal. Passaient mal dans le palais. La cible est un ancien prince que j'ai connu pendant la guerre du Golfe. Les informations qu'on a eues par le russe étaient fausses. C'est pas une personne à exécuter, c'est une personne à secourir. Donc je reviens vers vous, je reviens vers vous. On va supprimer à quel moment? Excusez-moi, vous pouvez répéter, j'ai mal compris. On va sécurisé à quel moment On va y aller là, on va y aller. Par contre, il faut trouver la bonne voiture. Ah. Oui. Vous me suivez s'il vous plaît? On va prendre la Jeep. Okay. Allez, c'est parti les gars, on prend la Jeep et on va sauver ce prince. J'ai pas pu voir son visage, mais on va voir qui c'est. Donc c'est parti. Descend, on continue à pied. Donc on y va en infiltration tranquillement et tout, et on récupère le prince. Bon, moi excusez-moi, mais j'utiliserai pas votre arbalète, j'y vais à l'ancienne. J'y vais avec mon arme silencieuse. Voilà les munitions, prenez. Pour vous dire comment notre infiltration tout à l'heure s'est passé comment? Ça va, ça a été parfait, ils m'ont pris pour l'un des leurs, alors ça a été parfait. Bon, j'ai vu le prince, je sais où est-ce qu'il est placé.
Mais il a trois gardes autour de lui, mais j'ai pas vu son visage, donc je sais pas qui c'est. On verra ça sur le moment venu. Ok, bon. On y va ? On y va. Par contre, à l'entrée du palais, j'ai entendu quelqu'un tousser. J'espère que qu'on aura à le repérer. Et on essaye d'être... d'être discret total, on parle à voix basse, on chuchote. Bon, même si moi je parle un peu plus fort, excusez-moi, mais j'ai de l'âge. Ok, attendez-moi ici, je vais regarder... Ouais. Ok, attendez-moi ici, je veux juste voir là où j'avais entendu les toussements, parce que je veux bien savoir si c'est un ennemi ou pas. Ouf. Ah, c'est la garde du prince. Est-ce que vous comprenez ma langue? Oui. Vous avez de quoi vous défendre? Ok, suivez-nous s'il vous plaît. On va aller récupérer votre prince. Tiens, les munitions! Par contre, pas à droite. Je coupe à gauche. Ok, caporal Killian, vous prenez à gauche. Oui. Colonel. Colonel Chose, vous prenez tout droit. Trois ennemis en vue. Ok, on les exécute ensemble. À trois. Un. Deux. Trois. Alors, il s'agit de qui au niveau du prince? Oh non, j'y crois pas. Le prince Al-Rawi, une vieille connaissance. Alors, vieille branche, on se trouve dans un beau pétrin. Hein. Salut, mon vieil ami. Merci d'avoir exécuté ces chiens d'infidèles, de bouffeurs de borsch. Je t'en prie, je te dois bien ça, non? Tu m'as aidé pendant la guerre du Golfe, donc je te dois bien. Je dois la vie. Donc par contre, nous avons buté des gardes à Saddam pendant la guerre du Golfe. Ah oui. Par contre, vieille branche, j'espère que tu sais toujours de te servir d'une arme et que tu t'es pas un peu rouillé. Ah, ça, jamais. Toujours prêt au combat. Donc tiens. D'ailleurs, laisse-moi me joindre à toi. Pas de soucis, je te donne mon arme de poing, donc vas-y, prends-la, je te la donne. Voilà. Merci. Je t'en prie. Les gars, j'entends des véhicules, donc silencieux. D'accord. Et t'as pu remarquer qu'on t'a sauvé un de tes gardes? Merci. Je t'en prie, cher ami. Il fera tout ce que vous lui demanderez, car il vous doit la vie. Ok, caporal Killian, vous portez en éclaireur. Caporal Killian, vous portez en éclaireur, s'il vous plaît. J'ai aperçu un tank et environ 5 ennemis. Ok. Autorisation d'ouvrir le feu. On n'oublie pas le prince à l'arrière. Ok, faites gaffe les gars. Quelqu'un a de quoi neutraliser ce chat? Ok, je passe au javelin. Punaise. Joli. Tank ennemi abattu. Oh les gars, juste tant que je... Tellement le prince est toujours en vie, on a assuré. Eh bien, Demon, je constate que tu n'as pas perdu la main. Je vois aussi que t'as pas perdu la main, vieille branche. Eh oui, vieux débris. Tu me redevras ça, hein. Tu me redevras ça.
Ok, on part à gauche, on part à gauche. On retourne au point de déploiement. On prend une jeep et on se casse d'ici avant qu'ils reviennent avec du renfort. C'est parti pour le point de distraction. Eh, dis-moi mon ami, tes jambes sont toujours assez bonnes? Tu peux nous faire un petit sprint? Ah si, comme à l'époque. Ouais, comme à l'époque. Allez, c'est parti, un petit sprint les gars, on se dépêche. On perd pas de temps avant qu'ils reviennent. Eh, ça veut dire qu'il y a un tank, il y en aura tout. Il me semble là. Ah oui. Tout droit, tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. On continue tout droit. Alors on tourne à gauche à droite, la personne. Ok, on s'arrête on s'arrêtera au point de déploiement par où on est arrivé et on attend à la jeep. On prend à droite, le bâtiment de droite, le véhicule nous attend à droite. Ok, on stoppe la formation à côté du véhicule, on s'arrête. Et on ne bouge plus. Oui, vous conduisez. On ne bouge plus. Ok, caporal Kylian, vous allez me chercher la jeep s'il vous plaît. Le prince et son garde, vous pouvez monter dans la première jeep. Allez-y. Ok, j'arrive. La jeep numéro... La jeep t'ouvre la voie. La première jeep t'ouvre la voie. C'est parti, on y va. Et on ouvre les yeux, autorisation d'ouvrir le feu sur ennemi hostile. On va droit devant, à l'arrivée face au palais, à l'intersection, on prend à droite. Continue tout droit.